Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau rétro sur un jeu PC encore une fois, Spider-Man 2 The Game, qui était, qui à mon avis est censé être tiré du film. Donc tout ce qu'on retrouvera c'est le docteur Octopus ou Octavius comme vous voulez. Qui se prononce maintenant Hook. Ouais. Le jeu que, comment vous dire? Je l'ai fini. Donc je connais à peu près, je sais à peu près ce qui va se passer. Il est assez bon pour l'époque. Il y a juste vers la fin du jeu, deux tiers du jeu plutôt, des petits problèmes au niveau de la syntaxe des dialogues. Mais ça n'en reste pas moins un bon jeu. Ouais. Je vais peut-être baisser un poil l'audio. Je vais mettre les voix minimum, les effets minimum. Musique. Ouais, les musiques, je vais laisser là. Tac. On va commencer. Alors, nouvelle partie. Et je vous laisse la cinématique. Merci d'être présent, mesdames et messieurs. Vous allez être témoins de l'avènement d'une nouvelle ère. Nous détenons enfin le pouvoir du soleil. Ne paniquez pas, vous ne courez aucun danger. Quoi? Fichez-moi le camp, sale fouineur! Rosie! Non! C'était une très belle cinématique. Je pense que nous l'avons tous vue de ce point. Ici Spider-Man. En retard comme toujours. Bien, écoute. La petite voix. On va revoir les bases au cas où tu serais pas si malin que ça. Hein? Oh, t'avais que ce pas. C'est l'heure de tester ton balancement. Tu vois cette toile? Tu peux t'y voilà. Vas-y, un peu. Alors, de ta gueule. Ta gueule juste. Puis clique sur le bouton gauche pour lancer ta toile. Ouais, alors juste ta gueule la voix off. Voilà, alors il se passe des trucs. Alors on va s'arrêter 2 secondes, hein. Je vais rester comme ça. Très bien, alors pour vous expliquer un petit peu ce que vous voyez. La flèche vous indique votre prochaine mission, là où vous devez vous trouver. En bas à gauche, il y a votre objectif, votre barre de vie, ainsi que ce qui ressemble très fortement... non, attendez. Ça c'est une barre, une espèce de barre d'adrénaline, ce qui fait que lorsqu'il est rempli... vous one-shotez tout le monde, sauf les boss. Donc, clic droit pour sauter, et clic gauche pour lancer l'étoile. Ah, super. Et voilà. Je pense à tous ceux qui ont acheté le jeu, hein. Allez, c'est reparti. Et donc, à chaque fois que vous voyez ceci, vous pouvez vous balancer. C'est trop la classe. Et là, je viens de faire un saut critique. Et pour faire un espèce de saut critique comme ce que je viens de faire, il faut vraiment être au bout de son balancement, et je pense que ça pourrait être très utile. Vous pouvez aussi rebondir deux fois. De flèche au-dessus de ta tête. Ouais, celle-là. Elle t'indique où tu dois aller. Pratique, hein. Merci la voix off. C'est super de ta part. Bon voilà, ça c'est le tutoriel du jeu assez basique et on peut pas la skipper. Ça balance, hein.
Bon, allez, redescends. Utilise le bouton droit de la souris. Maintenant. Tu es un rampeur, non? Alors rampe le long des murs. Clique sur le bouton droit de la souris pour sauter sur le mur et utilise les touches de direction pour ramper. Remonte. Alors évidemment, faut que je me remette en... Faut que je me mette en contrôle anglais. Donc, Alt-Shift, voilà. Donc là, hop, je vais runner le jeu. Voilà, je suis un porc, hein. Passons au lancer de toile. Vise ce panneau là-bas et déplace-toi avec ta toile jusqu'au point de contrôle. Pas facile. Voilà. Eh ben vas-y, étonne-moi. Vous voyez, c'est trop dur. Ta mère et moi, on est fiers de toi. Bon, allez, essayons le double saut. Clique deux fois sur le bouton droit de la souris pour faire un double saut jusqu'au prochain point de contrôle. Allez. Voilà, alors vous voyez très bien que ceci n'est pas possible, hein. C'est de la connerie ce que tu me dis, voix off de merde. Voilà. Pourquoi ne pas utiliser ta toile pour rejoindre le point de contrôle dans la zone de danger? L'aventure t'attend, au sens large. Ouais, voilà, ça vous met dans l'ambiance. Vous êtes ambiancé. C'est bon. T'as pas oublié fini. Ton sens d'araignée. C'est comme une alarme personnelle. Quand il devient fou. Alors ça c'est chiant. Esquive-toi en appuyant sur le bouton droit de la souris. Sinon, alors ça. Plus qu'à appuyer sur recharger la partie. Voilà, la voix fait très bien dit. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va apprendre un système de QTE. Les QTE, il y en aura sur tout le jeu. Il y en aura assez peu. Il y en aura 5 ou 6. Vous voyez, hop. Un mon jeune événement et hop QTE. Oui, vous avez une limite de temps évidemment. Ok, je te présente le comité d'accueil. Mêlé hors d'état de nuire, ça risque d'être sympa et drôle. Pour voilà, alors approche-toi et clique sur le bouton gauche. On va s'amuser. Donc là, je peux lancer une toile. Donc hop, il est bloqué pendant un moment. S'il avait une arme, je peux utiliser ma toile pour. Allez. Tirez l'arme. Pour sauter en donnant un coup, clique sur le bouton droit. Lorsque tu es prêt à passer, alors en fait, ça s'est pété lorsque vous sautez. Lancer une toile, ramper et te battre, tu peux être fier. La suite maintenant. Voilà, et là, c'est l'histoire. Parce qu'il y a de l'histoire. Faut pas croire. Ouais, il se passe des choses, des voleurs. Regardez. Hop là. Et en fait, l'attaque sautée, c'est pété. Vous pouvez la faire quasiment à l'infini. Ah mon dieu. Ah mon dieu, vite. Une toile d'araignée. Ah mon dieu. Alors évidemment, vous devez bien faire tout. Tous les détours, ça sert à rien d'escalader d'escalader les immeubles, je le sais, j'ai essayé et en fait il y a un espèce de mur invisible. Tenez, je vous montre. Hop. Voilà, et il y a un mur invisible. Voilà, donc va te faire foutre. Ensuite, et bien sûr, hein, je ne peux pas mourir de dégâts de chute. C'est juste il y a pas de sol, bah tu meurs. Je peux pas essayer de zapper une toile d'araignée là. Non. Ok, c'est là je peux la zapper. Un raté. J'ai raté mon saut critique. Voilà, alors là. Oui. Ah, oh, c'était magnifique. Magnifique technique de. Ah, de speedrunning. Ah, j'ai envie de dire. Ah ouais. Hop. Ce serait pas un piège, genre salaud. Genre, j'ai fait le tour pour rien. Ah mon dieu, des voitures! Dans ce cas, il va falloir que je. Escalade! Voilà. Dans le jeu, sinon, bah, c'est comme ça. Voilà. On peut croire que c'est une ville, et en fait, non, c'est moins que ça. Oui! Par là. C'est par là. Donc, oui, en fait, je viens de dire une connerie. Juste en dessous de la barre qui se remplit, bah, c'est voilà, une barre d'XP. La prison de la ville. C'est une barre d'XP. Donc, quand vous gagnez de l'XP, votre vie augmente. À l'aide, gaz lacrymo dans la tour 1. Envoyez renfort, c'est une évasion. Mon dieu.
Mon dieu! Ça doit être grave. Et en fait, là, ce qu'il faut faire, c'est ceci. Voilà. Et c'est parti. Bonjour, messieurs, dames. Tranquille dans votre vie. Ah, il n'y a aucun moyen de faire une garde. Voilà. 150 XP. Tranquillité. Hop là. Lance étoile. Salut. Alors, il garde. Il y a quelqu'un qui m'attrape. Hop, je fais tirer. Hop, il a plus d'armes. Et là. Raté. Non, oui. Alors, il y a des choses comme ça qui font chier. Lorsque notre personnage fait de la merde. Voilà. Boum, petit. Petite claque. Et la porte s'ouvre. Salut, je suis là. Le mec, je suis là. Non, mais oh. Ok, alors attendez. Ouais, alors attendez, excusez-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour. Tranquille la vie. Ça va, je te dérange pas. Hop là. Salut les mecs, tranquille. Attends. Voilà, je récupère de la vie. Salut. Encore. Bon, bah, pas le choix. Non, je récupère de la vie, je m'occupe de toi après. Salut. Ça, excuse-moi, t'étais à côté. Ouais. Pour parer la garde, c'est les coups de sauter. Et là, attention. Des robots, ça sent aussi. Le boss. Un des premiers boss du jeu, je vous demande d'accueillir comme il se doit Rhino. Alors évidemment on a tout un bestiaire génial dessus. Alors 1m96, 322 kg, je sais pas comment il fait. Alors non réel avec saut, profession, nanana, pouvoir. Alors faiblesse de peut-être ralenti. Ok. Alors salut gars, je te dérange. Vas-y. Ah oui, vas-y. Crois bien ta vie. Alors il y a sa barre de vie en haut à gauche, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Les boss sont extrêmement longs. Meurs, souffre, chien. Oups, j'ai pris cher dans ma lugue. Il s'en va. Je prends la vie et je le suis, hein. Ouais. La police est assez rapide. Oh oh, je dois me dépêcher. Ouais bon, alors les policiers en arrière-plan, vous les oubliez. Elle est où ma vie? Donc là, hop là, c'est le moment de la balançoire. Oui. Hop là. Et je rentre dedans. Donc là évidemment on vous explique comment faire. Sinon la strat est toute débile. Genre ça c'est pas une strat. Déjà pour vous dire. Oh et voilà, ça c'est la strat. Voilà, donc la strat c'est juste c'est ça. Oh merde. Il retombe toujours là. Là il se l'est pris. Donc là je l'esquive. Je prends de la vie, je reviens. Ne t'en fais pas. Je suis là. Hop là. Voilà. On recule un peu. Genre là. Attention, là va tomber.
Voilà, encore un coup et c'est fini. Voilà, c'était nul. Ah mon dieu, mais qui... Voilà, voilà, c'est Hawk. Hein, pas Octopus ou Octavius ou ce que vous voulez, hein. C'est Hawk. Lol. Ah voilà, et là il vous explique adrénaline. Ça one shot les ennemis, hein. Exemple là. Je suis full adrénaline. Alors vous les voyez, attention. Hop là, je bluis. Je fais des shoryuken. Et il meurt. Voilà, la mission est accomplie. Classement fantastique. Fuck yeah. Et voilà. Et là, il y a la prochaine zone. Je vais quand même y aller, hein. Essayez de vous montrer. Non, mais. Ouais, bon, non, mais c'est bon, hein. Tu me dis que je peux pas y aller. Alors là, vous voyez, il y a quelque chose. C'est un petit défi. Un défi de cercle. Et il y a du temps, hein. Ouais. Non, m'en fous. Dégage. Dans la vie. Ah, vous voyez, c'est. Mais saloperie. Bon, cependant je vais revenir où j'étais, c'est à dire là, parce que vous voyez mon écran est étrange. En fait mon écran était sur les côtés, les coins qui se rapprochaient, ça voulait dire qu'il y avait, alors je dirais pas un secret, je sais plus où je dois aller en fait là, pas un secret mais tout. What? Il se passe quoi? Où ça? Mais que dois-je faire? Ah là, je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est des. Non mais oh. Ce sont de la vie. Ah non, ce sont des pièces rouges. Je découvre des trucs. C'est trop bien. Ouais, mais je dois faire quoi là? Explique-moi le jeu, ce que je dois faire. Ça passe, ça passe. Ah, il y a quelque chose. C'est quoi? Tracté. Comme ça. Ah, peut-être dans l'autre sens. Non, on revient en arrière. Et donc si je fais ça, ça marche pas. Bah va te faire foutre. Allez, la zone. Elle est là-bas. Je dois effectuer d'autres missions pour accéder à ce... Ouais. Bon, bah ça me fait chier. Je vous le dis, ça me fait chier. Je sais pas où aller. C'est des pièces rouges, c'est ça qu'il faut que je récupère. Tu sais quoi, le jeu? J'ai envie de te dire non. C'est ça, c'est des pièces rouges qu'il faut trouver. Oh, on peut faire ça, c'est trop cool. Hop, des pièces rouges, où ça? Là-bas. Je vais faire cette mission, puis je vais m'arrêter. Non, dégage. Là partout, ça me fait un peu chier en fait là. Ouais, je dis des mots. Voilà. Ça ne vous plaît pas? Bah j'ai envie de vous dire cassez-vous. L'autre côté.
Raté. Bon, ça me fait chier, je vais m'arrêter là. Mais voilà, faut comprendre que dans l'ensemble, c'est ce genre de choses. Un univers assez grand. Sur 50, mais ça me fait chier. Oh putain, non, non, pas de blague. Oh, ouais. Je crois que je t'avais pas vu. Le jeu, il croit que je l'ai pas vu faire une arnaque moldave. Hop. Allez, 20. Youhou, joie, bonheur. Ah ah. Lol. Balançoire. Et je me balance. Et nous nous balançons. Je vais faire cette mission. Vous savez quoi, je vais prendre mon temps. Sa vidéo dure 3 heures, rien à péter. Juste pour vous montrer à quel point ce jeu il est comme il est. Voilà, pas de discrimination entre les jeux, je vous prie. Voilà. Et je me balance. Et je peux faire des trucs trop stylés. Bon, pièce rouge. Rien à droite, rien à l'autre droite. Génial. Et de ce côté, il y a... Wow, tu fais quoi? Là-bas. Bouah. La collision, c'est trop bien. Hop là. Alors là, je vais y arriver. Non mais au moins y arriver, bordel. Voilà. Au moins ça, je vous en prie. Faites pas vos salauds. J'ai dit, mais non mais faites pas vos salauds. Ils font les salauds. Normalement on peut s'accrocher sur des distances pareilles. Et, attention à ce que je fais moi. Là il y en a plus, parfait. Allez, 3 minutes. C'est easy. Easy peasy. Voilà. Non, pas là. Là. Il n'y en a pas là-haut. Ah ah. Là. Où est-ce qu'il y en a? Je crois qu'il y en a plus. Là-haut. Oh là là, je sais pas où elles sont. Là, on a 3 devant moi. Bon, c'est tout. Il y en a encore. Où ça? Est-ce que je... Ah, je peux pas faire un OB. J'aurais aimé sortir des zones. Bah non, bah c'est tout. Et voilà, je me suis pris un petit dégât. 3 fois rien. Je regarde bien.
Ah, c'est vrai. Bon, ça me fait chier. Je sais pas où sont les autres. C'est trop bien. Ah bah juste là du con. La suite logique des événements. Moi je dis ça pas le faire. Cinq pièces, ça le fait pas. Je sais pas où elles sont les autres d'ailleurs. Magnifique bâtiment Activision. Non, je sais pas où sont les autres. Bon, allez, on va s'arrêter là pendant les 30 secondes qui me restent. Hein. Voilà, donc c'était Spider-Man 2 The Game. J'espère que ça vous aura plu. Je me suis coincé dans une mission comme un con, c'est pas grave. Si vous avez aimé, bah, je vous conseille d'y jouer. Je vous rappelle quand même qu'il a un bon potentiel pour le speedrun. N'oubliez pas comme d'habitude de like, follow, abonnez-vous à YouTube, laissez des commentaires, de liker, de faire des trucs énormes. Voilà, la mission est finie, c'est mieux comme ça. De partager la vidéo si vous pensez que ça peut faire plaisir à quelqu'un. Partagez aussi la playlist, de liker la playlist, de regarder les autres vidéos si c'est la première que vous voyez évidemment. Quant à moi, je vous dis bon jeu et à la prochaine.